Bonjour, on finit avec cette vidéo sur l'exemple de modélisation pour l'apprentissage d'automates séparateurs. Pour rappel, on va avoir en entrée deux ensembles finis de mots, on va appeler grand I et grand E. Et ce qu'on cherche, c'est à générer un automate fini déterministe complet, tel que les mots de grand I vont être tous acceptés par l'automate et les mots de grand E vont être tous rejetés par l'automate. J'ai un exemple ici que j'ai utilisé dans les vidéos précédentes où grand I contient deux mots qui sont le mot vide et le mot AB, et grand E contient deux mots aussi qui sont le mot AA et le mot B. Et voici un exemple d'automate solution qu'on pourrait vouloir retourner, qui va effectivement accepter les mots de grand I et rejeter les mots de grand E. La formalisation qu'on a vue dans une vidéo précédente, c'est de regarder l'ensemble des préfixes des mots qui apparaissent dans nos deux ensembles I et E. Donc, par exemple, je vais avoir epsilon, A, AA, AB et B, c'est l'ensemble de tous les préfixes des mots qui apparaissent dans I et E. Et il se trouve qu'un automate fini déterministe complet va respecter remplir nos conditions, c'est-à-dire que les mots de I sont acceptés, les mots de E sont rejetés, si et seulement si il existe une fonction qui va des préfixes des mots de I et E dans les états de l'automate et qui vérifie trois conditions sur le mot vide, sur les transitions qui sont prises dans l'automate et sur quels sont les états acceptants. Ensuite, on a vu une modélisation du problème sous la forme d'un problème de satisfiabilité modulo une théorie. Donc, on a choisi une signature qui permet de parler à la fois de l'alphabet sur lequel on travaille, qui est l'alphabet sigma, l'ensemble des préfixes, l'état initial, la fonction f à trouver, la fonction de transition delta de l'automate, l'ensemble des états acceptants de l'automate, le symbole d'égalité. Et on travaille de plus dans une théorie qui est la théorie des interprétations normales, c'est-à-dire que l'égalité est interprétée comme l'égalité, et de domaine fini. Maintenant, la formule qu'on cherche à satisfaire, modulo la théorie de cette classe d'interprétation, c'est une formule qui juste modélise fidèlement les trois conditions qu'on avait posées sur la fonction f. Passons maintenant à la modélisation en SMT libre qui va pouvoir être donnée à un solveur SMT ensuite. Donc, il y a un code source qui est disponible sur la page web qui est indiquée ici, qui est le codage dans le cas particulier, donc c'est le fichier automaton.smt2, c'est le codage dans le cas particulier des deux ensembles I, grand I et grand E que j'ai ici en exemple. Si je change l'ensemble grand I et grand E, ça va modifier le fichier qui sera fourni au solveur SMT. Et ce que le solveur SMT va me fournir, ça va être en particulier un automate pour cet ensemble grand I et cet ensemble grand E. Donc que contient le fichier? Alors d'une part, il va contenir la définition de l'alphabet. Il s'appelait sigma ici à gauche, ici je vais plutôt l'appeler grand A parce que sigma c'est pas un symbole que je peux utiliser en SMT lib. Et aussi une définition de l'ensemble des préfixes. Je l'ai appelé T parce que ça ressemble à un arbre ici, plutôt que pref de S. Donc voici la définition, c'est des types énumératifs, ça va définir à la fois le type grand A et le type grand T, et les symboles de constante, petit a, petit b, ce sont des symboles de constante dans l'alphabet, c'est la lettre A, la lettre B de l'alphabet. Et puis ces constantes-là aussi, E, EA, EB, EAA, EAB, ce sont des symboles de constante que je vais pouvoir utiliser et sont toutes de type grand T. Là-dedans, le symbole de constante E représente en fait le mot vide epsilon, EA représente le mot A, EAA représente AA, et ainsi de suite. Essentiellement, j'ai juste rajouté la lettre E devant, en tête, pour modéliser le symbole epsilon. Maintenant, on va déclarer en SMT libre l'automate qu'on recherche. Je parle bien de déclarer puisque c'est le solveur SMT qui va ensuite nous trouver l'automate réellement. Donc, déclarer, ça va être déclarer quels sont les ensembles qu'on manipule. Donc, j'ai besoin de déclarer l'ensemble d'états. L'alphabet, je l'ai déjà fait avant, je l'ai même défini. Je vais devoir déclarer la fonction de transition et déclarer l'ensemble d'états acceptants et aussi dire ce qui se passe pour l'état initial. Alors, dans la modélisation que j'ai donnée ici, à gauche, on travaillait dans la théorie des interprétations normales de domaine fini. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en SMT libre. Il n'y a pas la théorie des interprétations normales de domaine fini sur une signature qui est prévue. Mais on peut quand même faire quelque chose qui est essentiellement équivalente. On va travailler avec des entiers et on va se restreindre à ne travailler pour les états
que entre les entiers compris entre 0 et n-1. Et on va dire de manière arbitraire que l'état Q0, ça va être l'entier 0. Parmi cet ensemble d'états, je vais avoir l'état Q0, c'est l'entier 0. Donc comment on fait ça? On va dire que les états, ça va être des entiers. On va avoir une variable libre, petit n, ici, qui est de type entière, et qui est strictement positive. Petit n, ça va être le nombre d'états. Et donc, les états actifs, les vrais états, ça va être les entiers entre 0 et n-1. On va voir dans les définitions, la déclaration suivante, et puis dans les formules suivantes, comment c'est utilisé, cette variable libre n. Maintenant, passons à la déclaration de la fonction de transition. Donc, puisque c'est un automate déterministe complet, on a besoin d'une fonction qui prend un état et un symbole de l'alphabet et nous redonne un état d'arrivée. Donc, on la déclare justement avec les types qui correspondent. On prend un état, une lettre de l'alphabet, on retourne un état. Mais on va rajouter une assertion ici qui garantit que l'image de cette fonction, ça va être un entier, et bien c'est pas n'importe quel entier, c'est un entier qui est compris entre 0 et n-1. C'est ce que vérifie ici cette assertion. Maintenant passons à l'ensemble des états acceptants. Donc normalement c'est un sous-ensemble des états de l'automate. On va juste déclarer qu'il y a une fonction qui prend un état, la fonction final, et qui retourne une valeur de vérité. Donc ça code bien un sous-ensemble. Un élément est dans le sous-ensemble si la valeur est vraie, et sinon, si c'est faux, c'est que l'élément n'est pas dans le sous-ensemble. On doit aussi déclarer la fonction f qui va des préfixes des mots qui sont dans nos deux listes i et e, dans nos deux ensembles i et e, et qui nous envoie sur les états. Donc pareil, on la déclare comme ceci, en disant que ça prend un préfixe et ça retourne un état, et comme dans le cas de la fonction delta, on rajoute une contrainte ici qui nous dit que l'image de cette fonction, ce sont des entiers qui sont compris entre 0 et n-1. Maintenant, on passe à la formule qu'on va chercher à satisfaire et comment on va la coder en SMT libre. Donc il y a trois parties dans cette formule et je vais rajouter trois séries d'assertions. La première assertion touche à cette partie de la formule qui dit que l'image du mot vide, ça doit être l'état initial. Donc ça se code en disant que f de e, e code le mot vide, ici, là-haut, c'est égal à 0, 0 étant, par convention, l'état initial. Maintenant, la deuxième partie de ma formule ici, c'est des contraintes sur les transitions, c'est une conjonction de choses qui porte sur les préfixes de la forme WA, où W est un mot de longueur arbitraire, et A est une lettre de l'alphabet. Donc si on regarde dans ma liste de préfixes ici, ça touche EA, EB, EAA et EAB, qui sont tous de la forme, j'ai un certain préfixe W, qui est E ici, EA ici et EA ici, suivi d'une lettre de l'alphabet, ben là c'est A, B, A et B. Donc voilà les contraintes sur les transitions qu'on doit écrire, je vais en avoir une pour chacun des cas que j'ai mentionnés avant, qui me disent que delta de F du mot vide, F de E, donc ça c'est un état, F de E, virgule, je prends la transition par la lettre A, ça doit être égal à l'image du mot du préfixe EA par la fonction F, et puis j'ai le même genre de contrainte pour chacun de ces préfixes. Enfin, il y a la troisième partie de ma formule, qui sont les contraintes sur les états acceptants. Donc on va regarder pour chaque mot qui était dans mon ensemble grand I, l'image par F de ce mot, par ma fonction petit f de ce mot, ça doit être un état acceptant. Et inversement, pour tous les mots qui devaient être exclus, les mots W qui étaient dans l'ensemble grand E, l'image de ce mot par ma fonction petit f ne doit pas être un état acceptant. Donc ça va être une conjonction, encore une fois, de plusieurs choses. Les mots qui étaient acceptés, c'était le mot vide, le mot AB, et du coup l'image par F, ça va être dans final. Et les mots qui devaient être rejetés, c'était le mot B et le mot AA. L'image par F, ça ne va pas être dans final. Enfin, on appelle le solver en disant il faut vérifier si c'est satisfiable en faisant une élimination des quantificateurs parce que dans mes contraintes ici que j'ai rajoutées sur la fonction de transition et la fonction F, il y a des quantificateurs. Donc on fait d'abord l'élimination des quantificateurs, puis on teste la satisfiabilité modulo théorie. Alors j'ai déjà lancé ce code, je sais que
Z3 va me trouver un automate dans lequel la variable libre n que j'ai déclarée ici va avoir la valeur 2, ce qui veut dire que j'ai deux états qui sont les états 0 et 1, et c'est plus facile de lire le résultat en faisant afficher eh ben, la table de transition de cet automate en disant ben, pour l'état 0, quel est l'état que j'atteins en lisant la lettre A, pour l'état 0, quel est l'état que j'atteins en lisant la lettre B, pareil pour l'état 1, et en lui faisant afficher si l'état 0 est final ou pas. Et en lui faisant afficher si l'état 1 est final ou pas. Donc voilà le résultat que me retourne Z3, avec cette requête ici où je demande les valeurs en question. Il me dit que c'est bien satisfiable, c'est qu'il a trouvé un automate. Et voici la fonction de transition qu'il a calculée. Je l'ai dessinée un peu plus bas ici. Dans l'état 0, si je lis A ou si je lis B, je vais arriver sur l'état 1. Et ça correspond à cette flèche ici, de 0, en lisant A ou B, je vais arriver dans l'état 1. Dans l'état 1, si je lis A, je vais arriver dans l'état 1 encore, donc c'est cette boucle ici. Et dans l'état 1, si je lis B, je vais arriver à l'état 0. C'est cet arc ici. L'état 0 est acceptant, l'état 1 n'est pas acceptant, l'état 0 par convention et l'état initial, ça correspond exactement à cet automate. Maintenant, on peut comparer ce résultat qui nous a été fourni par Z3 par rapport à l'automate que j'avais proposé ici au début dans mon exemple. Alors il a un premier avantage manifeste, c'est qu'il est plus petit, il n'y a que deux états dans cet automate. Il y a un autre avantage, c'est le suivant, si on regarde d'un peu plus près cet automate, on se rend compte que pour des mots assez longs, c'est-à-dire pas le mot vide ou le mot A, mais pour des mots un peu plus longs, en fait il y a deux possibilités. Soit je finis la vie de la reconnaissance de ce mot dans l'état 3 ici, et je vais accepter, soit je termine quelque part, je finis par boucler sur cet état 2 et je vais rejeter, d'accord? Et donc qu'est-ce qui se passe réellement? C'est, sauf pour le cas du mot vide et du mot A, pour des mots assez longs, soit je commence par AB et je vais accepter, soit je commence par AA ou B et je vais refuser. Essentiellement, cet automate, il colle de très près à cet ensemble de mots à accepter et de mots à rejeter. D'accord? Soit je suis quelque chose qui prolonge un mot à accepter, AB, et à ce moment-là, je vais accepter. Soit je suis quelque chose qui prolonge un mot à rejeter, AA ou B, et je vais refuser. Quelque part, cette solution, elle n'est pas très bonne, dans le sens où on n'a pas beaucoup généralisé le problème au-delà des données qu'on avait au début du problème, donc qu'on avait en entrée. Ces données annotées qui nous ont servi pour l'apprentissage, on aimerait que l'algorithme d'apprentissage extrapole de manière un peu plus générale et ne colle pas de trop près aux données d'entrée du problème, parce que ça donne des solutions plus générales et meilleures. Et c'est bien ce qui se passe avec cet automate ici, qui a un comportement un peu plus général. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup plus de choix. Entre si je vais accepter ou pas. Essentiellement, je vais accepter si j'ai un facteur, je commence par un A ou un B, puis un certain nombre de A, et ensuite je finis par un B. Et après je boucle de nouveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite.